Salut tout le monde, c'est Steven pour un nouvel épisode de mes aventures dans Minecraft. Aujourd'hui, on va tuer ce poulet. Voilà, c'est fait. C'est tout ce qu'on fait aujourd'hui, donc à plus. Non, je rigole. Aujourd'hui, déjà un petit erratum ou erratum, je sais pas comment on prononce. Erratum c'est en latin, mais erratum c'est en français. On va dire que c'est erratum parce que erratum ça fait bête. J'ai dit que celui qui m'avait proposé le nom la magnifique Bazoopa pour cette base était Matix93. Je me suis trompé. En fait, c'est Matix93. Je répète, Matix93. Pourquoi 90? Parce qu'il est suisse et en Suisse, on dit pas 93, on dit 93. C'est pas grave, hein, c'est les Suisses, hein, ils sont un peu. Non, je déconne. Voilà. Donc, sans rancune, n'empêche que c'est à trop de base. Première chose que je vais vous montrer, quelque chose que j'ai fait hors caméra, si j'arrive à descendre, voilà. Juste ici, c'est cette ferme. Ouais, on appelle ça une ferme. Cette ferme à blé. Donc là, il n'y a rien à récolter, juste aller chercher de la bonne mille, enfin de l'engrais, j'en ai pas sur moi. Je vais aller chercher ça vite fait. Je pense que 12 ça suffira. Parce que j'ai pas envie d'attendre que ça pousse pour vous montrer comment ça marche. Voilà. Et on va faire vite fait pousser tout ce merdier. Ah, crotte, j'en avais pas assez. Bon, c'est pas grave, je vais pas remonter. Donc voilà, donc imaginez vous avez du blé, vous êtes content, voilà. Vous voyez ces deux trucs. Ces deux trucs. Pistons, pardon. Qui retiennent de l'eau là-bas, vous allez voir tout de suite pourquoi. On appuie, enfin on. On active ce switch, une seconde. Voilà, il y avait Norton qui me disait un truc bizarre. Norton Security. On active ça. L'eau arrive, ça débroussaille tout ce merdier. Et tout arrive là. Je crois qu'il y en a aussi un peu qui va là parfois. Mais là, apparemment non. Voilà, on peut désactiver. Et donc tout a été récolté. Là, il n'y a rien. Là, on a le blé, les graines et tout. Là, on a aussi des trucs. Et on est prêt à replanter. Donc, voilà comment ça marche. C'est simple, c'est pratique. C'est automatique. Merci les pistons. Je sais pas si je vais avoir assez de graines. Je crois que j'en ai laissé là. Ouais, j'en ai laissé. Oups. Avec toujours de l'eau ici pour que la terre ne redevienne pas brute. Voilà. Donc aujourd'hui on va continuer avec les pistons. On va aller construire un truc. Un truc. Je vous dis pas encore ce que c'est, vous allez voir. Je vais juste ranger un peu. Donc évidemment qu'on va se comme on va se servir de piston, on va avoir besoin de trucs. Je continue pardon de dire trucs et j'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc on va utiliser de la redstone, des leviers, des torches, enfin un levier. Ah bah j'ai déjà deux pistons donc j'aurais pas à en crafter. J'aurais peut-être besoin de crafter des. Comment ça s'appelle? Les repeaters. Ouais c'est ça. Voilà, je vais avoir besoin de terre au cas où le sable s'effondre. Vous verrez pourquoi. Quelle heure est-il? Bah, le soleil se couche, donc on va aller vite fait dormir. Pardon. On va vite fait dormir et ensuite on va aller faire la chose.
Voilà. On embarque. Et c'est parti. J'ai rien contre les cochons, hein, mais bon. Ah, il y en a encore là en bas, mais si je leur tire dessus, je vais casser mon minecart et j'ai pas très envie de le casser. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un système pour sortir le bateau de l'eau automatiquement. Donc pour éviter qu'il se barre comme ça. Quoique... Non. On va pas faire ça. Ah non, le truc que je voulais faire, j'avais déjà essayé et ça avait pas marché. Donc en fait, pardon, comme si j'avais rien dit. On va le faire ici, je pense. Donc en fait, ça va être très simple. Il va y avoir un switch par ici, je sais pas où exactement. Et quand on l'active, donc il faudra que le bateau soit ici. Deux pistons vont se lever et vont sortir le bateau de l'eau. Comme ça lui évitera de partir. Au loin et de me faire chier. Voilà. Donc on va devoir creuser. Et j'ai amené de la terre parce que la terre c'est plus pratique que le sable. Et pour faire ça, je vais reboucher un peu. Par contre, j'ai pas pris de seau. Est-ce que j'en ai par ici? Non. Ah, par contre, j'ai des répéteurs. Au cas où j'en aurais besoin. Voilà, on va vite fait aller voir la chambre noire, tant qu'on y est. Et j'ai pas d'armure. Bon, tant pis. Oh! Bonjour! Ah bah dis donc, il y a plein de monde. Oh la vache! Regardez au fond là-bas. Peut-être avec F3 on peut voir leurs étiquettes qui s'agitent. Bye bye! C'est énorme tout ce qu'il y a. Je crois que j'ai jamais vu autant. En se mettant ici, comme il y a des trous, on les attire, vous voyez. Comme ça, ils arrivent plus vite quand ils sont par là-bas. Sans se faire tirer dessus, s'il vous plaît. Bon, je vais pas attendre parce que on va pas passer notre temps à regarder des monstres se noyer. On va juste aller récupérer ce qui nous est dû. Et on retourne construire la chose. On a déjà des ressources qui tombent. Ça fait plaisir, après qu'ils nous ont tant fait chier. Ça fait 5 poudres, une ficelle et 9 os. Et sûrement des flèches aussi, mais comme j'en avais déjà, je peux pas compter combien j'en ai. On va juste attendre que celui-là crève. Il y a un os ici pour nous. Oups, je peux plus sortir. Je rêve, ils m'ont tiré dessus. Allez hop, on sort. Et on retourne à nos moutons. Ce qui serait marrant, c'est qu'il y ait des moutons. Comme ça ferait le jeu de mots. S'il n'y a pas de moutons, c'est pas grave. J'aurais pu avoir le mode single player commande. Et j'en aurais fait spawner juste pour le trip. Tant pis. Qu'est-ce que je cherchais au fait? Ah oui, des... D'accord, voilà. Voilà, c'était ça que je cherchais. Je cherchais des E. Ah là là. Je vais mettre les pistons, je vais m'en souvenir après. Des seaux. Voilà. J'en mets que deux, hein. Je vais pas me faire chier. Est-ce que ça commence doucement à me faire chier? Non, je déconne. Ça s'est tombé. Hop, 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 hop. Je fais un peu de place pour faire passer tous les circuits parce que je sais pas trop encore comment je vais. Et crotte.
faudrait que je remplisse tout ça d'eau. Faut que je décide où je mets le levier. Sachant que le bateau sera là, je pense que ici, là, sur la planche, ce serait un bon endroit. Hop, faut que je garde mon truc. Et donc ça passerait par ici. Ensuite ça descendrait ici. Je suis pas un expert en redstone, hein, mais bon, je me débrouille un petit peu. Quand même. On va voir si le courant passe. Ça m'a déjà... Oups. Pardon, ma souris bug. Ça a déjà activé un piston, je sais pas comment ça a fait. Comment ça a pu l'activer? Apparemment celui-là il est pour rien. Il est directement adjacent, c'est peut-être pour ça? Non. C'est étrange. Bon, l'important c'est que ça marche, hein. On va pas se demander pourquoi ça marche. Même si on devrait, si on suit une démarche scientifique, on s'en fout, on n'est pas des scientifiques là, on est des Minecrafters. J'aurais besoin de ça aussi. Non, ça je vais enlever. Et normalement... Ouais, ça marche. Cool. On n'y a plus qu'à reboucher tout ça. Remettre l'eau. Et tester. Parce que bon, c'est bien si les pistons marchent, mais bon. Si ensuite le reste marche pas. Je vais quand même éclairer pour éviter qu'il y ait des monstres qui spawnent ici. Ça serait bête. Et je vais faire de la sunstone, je pense. Oups, lag. Ça sera de l'eau, mais ça sera en dessous, donc il faut que je mette... Ah, crotte. Crotte. Parce que ici, ça sera couvert, donc il faudrait que... Ça se fasse ici. Voyons voir si je fais comme ça. Ça ne marche pas. Est-ce que ça marche pas parce que ça marche pas? Ou est-ce que ça marche pas parce que ça marche pas? Très logique ce que je dis. Ah, ok. Si ceci est activé, celui-là devrait s'inverser. Est-ce qu'il s'inverse pas? Ah ouais, je sais. Qu'il faut que je creuse encore par là-bas. Parce qu'il faut que la redstone soit dirigée vers le bloc de destination et pas à côté. Du coup, ça, faut que je l'enlève. Là. Et il commence à faire nuit. Super.
Super génial. Ah voilà. Là ça a marché. Il y a un léger temps de décalage, mais bon, ça c'est normal. Ça va aller là, au fond de la mer. Et ça, c'est au-dessus. Faut que je mette de l'éclairage quand même pour éviter les monstres. Et je vais dormir vite fait. Aucun monstre en vue, c'est étonnant. Et non, aucun monstre en vue. Que ça marche toujours. On sait jamais avec la redstone. Donc ça c'est fait, maintenant il faut que je re-remplisse tout ça d'eau. On va aller chercher le seau. Je sais pas si je fais une ellipse ou si je vous montre tout. Oh, je vais tout vous montrer. Oui, ça marche pas. Super. C'est la première... Pardon, la première fois que ça me le fait. Oula, c'est... Minecraft ne m'aime pas aujourd'hui. Voilà.